Tolobi boy nalekaki awa pona kopesa mbote na mokonzi ya province ndenge tosalaki yango na Ituri. Nous passons également ici faire la même chose pour dire que bientôt le recrutement est kosalama na mboka mobimba koze la mitindo ya mokonzi ya mboka. Et puis ndenge batuni mutuna awa esi batu wana bako forme bangona ndenge ni bako forme bango ndenge ba forme kaba policier ya mokili mobimba. Nous ne faisons pas l'exception. Il ne faut pas croire que quand tu viens à la police, au cas où tu as battu, tu as battu, na kati ya police il y a des gens de grande valeur qu'il faut respecter. C'est-à-dire botine de la biso bana oyo botchela ka motema na famille nayo. Olubi mwana oyo pombo kanange kende li boso ne mokonza mboka ding asengeli e sengeli biso banso toluka bana na biso ya malamu bazana ba condition ya kitoko batosa ka bato batambula kana kobanga mibe kwa mboka toke na kutika na police bakoma ba police ya malamu. Puisque mokonza mboka lingi police o ya lelo za landenge police oyo ya mabe o parfois boza ko regretter te bato. Bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Vous nous suivez de partout, vous les constatez, nous sommes avec Georges Yalala, secrétaire fédéral de l'IDPS au Nord Kivu. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour les Congolais, bonjour Monsieur Justin, bonjour tout le monde, surtout mes frères, et mes voisins, les Gomatraciens, les Ituriens, les Nord-Kivusiens, les Sud-Kivusiens et les Kinois, encore bonjour. Nous voici encore à ce plateau pour discuter certaines questions de l'actualité. Et surtout pousser nos analyses sur les faits politiques qui sont en train de se dérouler pour le moment dans la RDC et pourquoi pas dans toute la région de l'Afrique centrale. Bien sûr, au cœur de cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live, le premier c'est par rapport au passage du général Célestin Kanyama au Nord Kivu. Mais également, nous allons revenir un petit peu sur les discours du président Tshisekedi qui suscite des réactions, en tout cas dans les chefs de plusieurs Congolais. Mais peu avant, nous commençons par en tout cas ces propos d'ailleurs du général Kanyama, comme les gens les constatent à travers les images. Le général Célestin Kanyama à Goma annonce pour bientôt le recrutement de nouveaux éléments à travers les pays, bien sûr pour renforcer l'effectif. Monsieur Georges, comment vous analysez cela et qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Nous avons vu passer le général Kanyama de la police à Goma. À Goma, il a tenu un point de presse et il a été réellement clair. Et moi, d'ailleurs, je dirais que c'est avec retard qu'il est venu. Parce que voir la police que nous avons aujourd'hui, une police fabriquée de toutes pièces par le régime passé. C'est la police de Tshisekedi aujourd'hui. C'est une police qui fait d'ailleurs la honte. Nous qui sommes à Goma, permettez-moi vraiment, pardon pour des propos. Je ne suis pas contre la police, mais je vis avec la police ici à Goma. C'est votre police, vous c'est qui êtes notre au pouvoir. Police, c'est notre police. La police n'appartient pas au pouvoir. La police, c'est un service républicain. C'est pas la police de Tshisekedi. La police est républicaine. L'armée est républicaine. Dire que la police appartiendrait à quelqu'un, non. Là, vous déconnez. C'est vrai. Vous vendez la police. Mais vous voulez réduire la police aux individus. Selon les opposants, ces policiers sont au service du régime. Non. La police,
Kabila est parti, la police est restée, non? Mais vous, tout au début de votre introduction, vous avez dit que cette police... De voir sa qualité aujourd'hui, parce qu'au moins les services qui sont passés, qui ont été censés organiser cette police, une police professionnelle, mais ils l'ont laissé comme ça. Et c'est pourquoi maintenant, quand Kanyama arrive, il dit que nous allons organiser un recrutement. Il a beaucoup insisté sur le recrutement des garçons et jeunes filles qui sont moralistes, qui ont une morale avérée. C'est important, il a beaucoup insisté. Là, j'insiste, donnez-nous les enfants les plus éduqués, les meilleurs de vos enfants. Parce que lui-même aussi reconnaît que la police que nous avons aujourd'hui ne laisse pas à désirer. C'est une police, je dirais, une police... Sa formation. Recruté sous quel régime? C'est-à-dire recruté sous le régime Kabila. Sais. Kabila ne nous a aidé à rien. Donc, tous les secteurs, il n'y a rien de beau que nous pouvons toujours nous souvenir de Kabila. Oh. Imaginez, même la police, alors que la police est censée être le parrain des parrains. Dans d'autres, quand vous arrivez dans d'autres pays, c'est la police qui organise. Qui dirige tout, surtout question de la population, question du peuple, des peuples. La protection, ouais. L'encadrement, la courtoisie, l'orientation, c'est la police. Malheureusement chez nous, juste, imaginez par exemple à Goma, la police pourchasse les motards, même la nuit. Quel genre de police? Imaginez à Goma, il suffit que Europe, par exemple, les Lestigo, vous vous croisez avec les roulages, au lieu de vous orienter, ils sautent sur la moto, ils sautent sur la voiture, l'amener, je sais pas, au bureau, parce qu'il faut l'argent. Mais ça se passe dans ce régime, monsieur. Ça se passe parce que c'est pourquoi on a dit que on a trouvé que la police qui nous a été léguée par plusieurs régimes passés, n'a pas vraiment sa raison. C'est une police qui donne la honte. Quand, par exemple, vous arrivez dans d'autres pays, ce matin, j'étais en train de suivre Alain Irung, il est aux États-Unis, il vous dit vraiment, une police professionnelle, si vous avez un problème, même de n'importe quel genre, vous vous orientez toujours vers la police. Tandis que chez nous, c'est la honte. On ne sait pas. Bon, j'ai vu même certains policiers, ici à Goma, qui étaient des vrais maïbobos, sans moralité, mais qui sont dans la police. J'ai d'ailleurs vu d'autres policiers ici à Goma, très honteux, des policiers qui n'ont jamais fait la formation, qui n'ont mais jamais c'est fait pas tous les policiers centres. Quand même, nous avons par exemple des j'ai officiers. J'ai dit certains policiers qui n'ont jamais fait des centres de formation policière, mais qui sont des policiers attenus avec des armes, encore létales. Et comment ils sont retrouvés dans ce service? Ce sont déjà recrutés sur base de Kujuana, Muyuano, Toyebani, Pesa Boye, Nakoti Sayon Boye. Mon frère, ça fait la honte. Est-ce que et alors, Kanyama, quand il vient avec un projet comme celui-là, ça m'a beaucoup donné une grande satisfaction. Cette fois-là, nous aurons une police, la meilleure des meilleures de nos enfants vont faire la police. Mais ils vont réellement étudier cette police. Et cette police, une fois, quand vous avez une formation policière, vous êtes l'homme le plus poli et le plus courtois de la République. Parce que c'est la police. Même le président de la République, il est toujours accompagné par la police. Même je ne sais pas quel ministre est toujours accompagné par la police. C'est-à-dire c'est la police, le meilleur des meilleurs de tous les citoyens et qui doit alors réellement travailler sous le drapeau. Et c'est à travers même cette police qu'on peut voir même la qualité, même la moralité même du peuple. Mais car une police... D'ailleurs, nous sommes à Goma. Les gens sont nombreux de nos compatriotes disent ceci. Au lieu de se croiser avec un policier la nuit, autant mieux se croiser avec un bandit à Karachinkov. Vous voyez par exemple de tels propos? Ça écœure les gens, non?
C'est-à-dire que la police est la plus mauvaise de tous les hommes qui dirigent ce pays. Mais monsieur Georges, vous êtes au pouvoir, selon vous. Qu'est-ce que les autorités en place, voilà, font pour essayer un peu de relever les défis? En fait, pour relever les défis, d'abord, il faut toujours passer par la réforme. La réforme est l'une des grandes choses qu'il faut toujours initier pour que les choses changent. La réforme, c'est quoi? La réforme n'est rien autre que former de nouveaux. C'est-à-dire, vous prenez d'autres gens, et même des anciens policiers, vous les prenez, vous les ramenez encore au centre, parce que peut-être qu'ils ont pris la tenue, sa formation. Et ça, c'est la réforme. Et surtout, comme notre police, surtout, nombreux de nos policiers ont vieilli, alors il faut aussi rajeunir la police. J'ai vu nombreux de nos policiers, surtout nos commandants de la police, nombreux ont dépassé 50 ans. C'est pourquoi alors on est passé par l'appel sous les drapeaux, l'appel de devoir recruter des jeunes. C'est-à-dire des jeunes, encore il a insisté, des jeunes qui ont étudié, s'il vous plaît. Jeunes qui ont au moins un niveau académique. Mais monsieur Georges, cet appel peine vraiment à avoir une issue, parce que certaines familles hésitent à envoyer leurs enfants dans la police, soit dans l'armée, parce que ces familles pensent ou bien croient que ce sont des policiers, ce sont des militaires qui ne sont pas bien encadrés. Est-ce que pensez-vous que nous devons continuer toujours sous ce rythme? En fait, non. D'abord, dire que je sais très bien que je comprends la préoccupation de certains parents. Ils se disent, cette police que nous avons vue hier, être la plus, peut-être la plus méprisée de tous les citoyens par les gouvernants, non. Ils avaient encore les hésitations. Mais aujourd'hui, essayez de côtoyer les policiers qui sont là aujourd'hui. Bien qu'ils soient mal formés, les policiers, notre police là, mais aujourd'hui, il y a eu une nette amélioration des conditions de vie de la police. Bien sûr, on n'a pas encore atteint peut-être le seuil de standing de la police, mais au moins, il y a déjà des efforts considérables. Aujourd'hui, un policier qui peut facilement vous toucher $150... Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant, mais il y a déjà une nette amélioration. Mais imaginez les régimes passés, tous les régimes passés. Moi, j'ai vécu Mobutu, par exemple, il y avait des gardes civils qui étaient abandonnés à la merci de la population et ils les tracassaient comme pas possible. Après Mobutu, il y a Mouzet qui voudrait aussi réorganiser, mais de la manière dont il n'a pas vraiment été satisfaisante. Mais maintenant, avec le régime 1+4, mon Kabila fit surtout, les choses se sont empirées. Jusqu'au point que, même pour recruter les policiers, on passait par des amitiés. Mais aujourd'hui, sur les conditions de vie de la police, bien sûr, sur le plan salaire, il y a déjà une nette amélioration. Mais il reste encore beaucoup à faire, surtout à la logistique de la police. Mais au moins avec cette nouvelle police, et surtout que nous avons déjà des partenaires qui sont à côté de nous, qui nous promet réellement, qui nous donne des promesses. Qui sont ses partenaires? Bon, ses partenaires, vous savez, c'est la police, c'est la politique. Vous savez, il y a certaines questions qui ne demandent pas des réponses ouvertes. C'est pas le Rwanda, par exemple? Ah, vous m'avez rappelé encore le Rwanda, alors que le président... Parmi les partenaires du président Tshisekedi, hein? Le président a montré combien de fois que le Rwanda sera toujours un ennemi s'il ne veut parce pas changer. Parce qu'il appelle plus Kagame son frère. Mais dire son frère. Que nos partenaires qui doivent venir encore nous aider à former la police, et rien ne peut jamais figurer, le Rwanda ne peut jamais figurer parmi. Mais au moins nous avons des gens qui vont nous aider, surtout sur le plan financier, pour que nous ayons une police la plus meilleure. Mais il y a aussi certaines questions à l'interne. Avec le budget déjà alloué, avec le budget déjà
un projet de budget déjà à l'Assemblée, il y a une très grande part de la police et même de l'armée. D'accord. Il y a d'ailleurs déjà une ordonnance présidentielle qui a donné certaines lignes de réformes dans la police, dans l'armée. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui prouvent, qui montrent déjà espoir. D'accord. Et les policiers, je ne peux pas terminer ça pour te dire merci aux policiers qui se comportent, qui se conforment à la loi. Très bien. Ils sont moins nombreux apparemment. Mais, en tout cas, mais ceux-là qui se comportent comme des caporaux, ça vraiment, non. D'accord, merci beaucoup. Ça, non. Merci, monsieur Georges. Parlons de notre deuxième sujet, du rond de la tribune des Nations Unies. Le président, en tout cas, Tshisekedi, a prononcé son discours, et c'était d'ailleurs à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, un discours très critiqué hein, par certains Congolais. Est-ce que c'est le cas chez vous, Ali Dépès? En fait, d'ailleurs, je ne venais que d'arriver dans ce lieu parce que je suis en train de recevoir des messages de félicitations. Moi qui suis du parti, mais je suis en train de recevoir des félicitations. Qui viennent d'où? Qui viennent même des opposants. Oh, ils disent quoi? Ils s'en félicitent trop. Où sont ces messages? Ils disent, ouais. Nous n'avons jamais vu un président comme Tshisekedi qui... Une fois dans l'histoire, au sommet des Nations Unies, il indexe les ennemis par leur nom. Mais ça, c'est... C'est vraiment du jamais vu. Même Mobutu, qui était la face chérie peut-être de certaines puissances, n'avait jamais tenu un discours de ce genre. Mais qui tenait toujours de tels discours. Tshisekedi a été le panafricaniste. D'ailleurs, je vais dire par une radio internationale qui disait parmi les plus grands panafricanistes, il y a Félix Tshisekedi. C'est une radio internationale. C'est-à-dire la RFI. Là, je ne bâche pas les mots. La RFI qui disait les panafricanistes de Tshisekedi. C'est-à-dire, réellement, il a prouvé avec ce discours que c'est l'Afrique aux Africains. Et l'Afrique n'a pas besoin des guerres. L'Afrique n'a pas besoin de controverses entre les Africains. Et d'ailleurs, il a été le plus applaudi quand il était en train de défendre la cause du Zimbabwe. Imaginez, le Zimbabwe est très loin de chez nous. Mais il fallait maintenant que Tshisekedi défende la cause des voisins d'environ 1000 km. Trouver que, donc, à lui, c'est un artisan de la paix. C'est un homme qui voudrait que cette Afrique soit une Afrique meilleure que l'Europe d'aujourd'hui. Alors, nous avons suivi le président Tshisekedi dans son discours où il a encore accusé les Rwandais, disons, dénoncé pardon, les Rwandais d'agresser son pays qui est la RDC. Vous savez qu'aujourd'hui, Kagame va se prononcer. Aujourd'hui, nous attendons aussi sa réaction parce qu'il pourra peut-être réagir. Hein. Très bien. D'ailleurs, moi, vous savez pourquoi moi j'ai dit que Tshisekedi, c'est l'ange que peut-être Dieu nous a envoyé. Oh, bien sûr, je dis. Je vois les dépenses, c'est ça. Non. Où? Pour la RDC. Et pour même RDC. Vous. Moi même qui? Vous, journaliste. Non. Aujourd'hui, vous n'allez pas le dire à ma place, monsieur Jean. Je sais très bien qu'aujourd'hui, au moins votre organisation des journalistes connaît des avancées et des améliorations. Non, c'est vous qui le dites, mais il n'y a pas des améliorations. Ça, parlons de notre sujet, oui. Parce que je sais que ce n'est pas pour tous les Congolais. Oui, j'ai dit pourquoi cela. Ouais. Vous savez, quand il est en train de dénoncer les Rwandais, démontrer à la face du monde que les Rwandais complotent pour la République, pas parce que les Rwandais peut-être cherchent à se positionner politiquement, mais pour dégager des jalousies à cause de nos richesses. Il a d'ailleurs bien épinglé. En aucun cas, on a vu un soldat congolais sur le sol rwandais. Mais les Rwandais, d'ailleurs attrapés vers Rutshuru ici, sur le sol congolais, on ne sait pas pour quel but. Pour preuve, aujourd'hui, les soldats rwandais assiègent la cité de Bunagana. Il a dit, mais pourquoi cette inégalité entre nous, notre organisation, nous, Nations Unies? Il y a même un rapport des experts des Nations Unies, un rapport qui est clair, un rapport qui prouve réellement que le Rwanda a agressé la RDC.
le Rwanda a amené d'hommes et munitions sur le sol congolais pour agresser notre pays. Et la communauté internationale cherche à toujours faire fuir certaines puissances. Et que ce rapport n'est pas encore distribué. Il a demandé qu'on distribue ce rapport et qu'on sanctionne le Rwanda comme d'autres pays. Aujourd'hui, on accuse la Russie d'avoir assiégé l'Ukraine. Et ça fait grand bruit. Mais quand le Rwanda assiège la RDC, c'est comme si c'est quelque chose qui est dans les oubliettes, quelque chose qui est normal pour nous, parce que nous sommes RDC. Il a prouvé, il a démontré, oui. Il a d'ailleurs accusé la communauté, il a surtout l'Organisation des Nations Unies que c'est une organisation de deux poids et deux mesures. Nous devons changer les choses. Nous devons prouver à la face du monde que la paix internationale demande des respects mutuels. Il est d'ailleurs allé très loin. Il a faussé encore très loin. Même dans les soi-disant conseils de sécurité, pourquoi cette inégalité? Il a demandé qu'il y ait l'équilibre. Il a demandé deux places dans les conseils de sécurité pour les membres permanents et deux places pour les non-permanents. Et il fallait voir comment il a été acclamé. Est-ce que cette question-ci, elle trouvait solution? Elle n'a pas couleur politique. Non. Pour les gens du pouvoir et non plus pour les opposants. Ah, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, les opposants avérés, qui sont réellement instruits, nous ont donné félicitations. D'accord, vraiment, d'accord. On a défendu la cause. D'accord, merci, M. Joseph. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Parlons de cette tribune de M. Thierry Mosenepoa, qui dit en tout cas que Félix Tshisekedi, en père de la nation congolaise et l'Africain de l'année. Il faut dire en tout cas qu'on l'attendait au tournant pour son discours du 20 septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui. Agressé par les Rwandais sous les regards complaisants de la MONUSCO, envahi par les djihadistes d'origine étrangère, chahuté pour l'exploitation en tout cas annoncée de ses ressources énergétiques, et convoité pour ses minéraux stratégiques indésirables à la transition écologique, frappé par un embargo déguisé sur les marchés d'encharnement, la République démocratique du Congo avait en tout cas effectivement besoin de faire attendre sa voix dans l'entrée des nations civilisées de la planète avec sa légendaire main de fer dans un géant. De vouloir, Félix Tshisekedi vient en tout cas d'entrer par la grande porte dans l'histoire du patriotisme, du nationalisme, du souverain, disons du souverainisme et du panafricanisme à la faveur d'un discours retentissant dont, en tout cas, dont la résonance va certainement traverser les époques. À l'instar du discours prononcé à la même tribune par le maréchal Mobutu en 1973, chapeau bas aux équipes d'avance de la RDC qui ont veillé à ce que la voix du pays de Lumumba se fasse attendre le jour même de l'ouverture de la session ordinaire en présence de toutes les têtes couronnées encore fraîchement dans la salle avec une attention soutenue. Comme on le disait, ce n'est que les discours et les visages de l'âme. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président Tshisekedi, chef de l'État, a fait parler l'âme générique du Congolais autour des préoccupations ci-après. Je cite quelques préoccupations parce que nous restons même si avec quelques minutes. Les conditionnalités de la sécurité pour ses compatriotes congolais et pour l'Afrique. 2. L'appel à la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies face aux agressions récurrentes que subit la République démocratique du Congo par le Rwanda via son M23. La place de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les dégrèvements climatiques. 4. La légitimité de la RDC d'exploiter ses ressources énergétiques en toute responsabilité. 5.
du challenge de la transformation des minéraux stratégiques. 6. Du plaidoyer contre les sanctions qui frappent les Zimbabwe, voilà. Et enfin, les rôles de la femme dans l'évolution du monde. Voilà quelques points qu'a pinglé le président Tshisekedi. En conclusion, monsieur Georges, en suivant le président Tshisekedi, on a vu un président qui a défendu la cause de son peuple. Là, je parle des peuples congolais, sans parler également de l'UDPS, qui est un parti qui l'accompagne, et d'autres partis. On a vu également un panafricaniste, comme certains analystes le disent. Quel espoir pour les peuples congolais et pour l'Afrique en général? En fait, l'espoir est tellement grand. Lequel? C'est maintenant qu'aujourd'hui le peuple congolais a compris que nous avons trouvé un homme qui nous a manqué pendant des siècles, pendant des décennies. Pendant des années, c'est Tshisekedi qui nous a manqué. Et aujourd'hui maintenant, de par ses actes, de par même ses dires, et voire même ses discours, comme l'autre venait de l'analyser, aujourd'hui, tout le peuple congolais a aspiré espoir que les choses doivent changer, les choses vont changer. Dans les tout prochains jours, les choses vont changer. Surtout nous qui sommes à l'Est. Vous savez, ça fait presque 20 ans, aujourd'hui 25 ans, nous sommes dans un cycle infernal de l'insécurité. Mais c'est maintenant aujourd'hui qu'on a trouvé un chef qui est en train de se battre haut et bas, d'accord, gauche à droite, pour que la paix revienne. Une paix comme nous l'avons vécu à l'époque de Mobutu. Et c'est certain. Et c'est ça le grand espoir pour nous de l'Est. Merci Georges. Je peux faire pour finir dans moins d'une minute. Je l'ai d'ailleurs évoqué aujourd'hui aussi. Les voisins, le président rwandais va se prononcer en un mois. Qu'est-ce que vous attendez de lui, selon vous? En fait, je sais très bien que Kagame ne veut que seulement faire la défensive. C'est-à-dire, il va essayer de se défendre. Et ses défenses n'ont plus de place parce que c'est dit déjà attendu. D'accord. Chaque jour, il a toujours des vagues. D'accord. Merci. C'est dit déjà Merci attendu. Merci, Georges. Je nous prenons cela comme votre conclusion, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Georges et Yalala, cadre de l'IDP Sonor Kivu, il était en exclusivité avec nous. Merci d'avoir été là. On se quitte par vos coordonnées, comme d'habitude. OK. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au plus 243. 979 27 31 68. D'accord, c'est le numéro WhatsApp, j'espère. Oui, oui, avec WhatsApp et contact téléphonique, nous serons ensemble. Des avancées significatives, hein? Très significatives. Merci beaucoup, monsieur Georges. On s'est fixé à rendez-vous demain, mesdames et messieurs. Vous avez aimé l'interview. N'hésitez pas à liker, lâcher vos commentaires. Et à demain, nous vous disons bye bye. Ok, bye. Bye bye.